Et le verbe pleuvoir, au futur simple. Oh putain. Je pleuvrai, tu pleuvras, il pleuvra, nous pleuvrons, vous pleuvrez, ils pleuvront. Ouais, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu peux me conjuguer le verbe pleuvoir au futur indicatif, au futur simple? Je sais pas du tout. Futur demain. Au futur simple. Il pleut. Il pleut. Non. Demain il va pleuvoir. Demain il va pleuvoir. Donc, au futur simple. Pleuvoir au futur simple. Wow. Ben, on va croire que. Mais pleuvoir, c'est pas un verbe. Mais tu peux pas. Ah, si, pleuvoir, c'est un verbe. Non, c'est pas un verbe, mais tu pleuvoir. Tu peux pas dire, je pleut, tu pleut, il pleut, c'est pas un verbe. Non, c'est pas un verbe. Ah. Pleuvoir, c'est pas un verbe. Bah non. Tanguy, il pleut. Ah ben si, ça. Non, il a dit non. Attends. Mais tu peux pas dire, je pleut, il pleut, nous pleuvons, nous vous pleuvez, ça se dit pas. Je jure, pleuvoir, c'est un verbe. Hein. Ah non. Ça me fait rigoler. Pleuvoir. Oui. Vas-y toi. Non, vas-y, faites-le. On est en plus jeune. Vas-y, commence. Je sais pas. Ah non, quand même. Ah, tu es la seule femme parmi nous, on te fait l'honneur de répondre. Ah oui. Tu vois. Alors, on te fait l'honneur comme une princesse, tu vois ou pas? Vas-y. Je. Vas-y. Pleuvoir. Ah. Ah mais ça existe pas le futur simple. Bah non. Comment ça? Le futur simple? Ouais. Ça n'existe pas? Si. Bon, je vous aide. Quand par exemple, tu dis « je viendrai », c'est le futur simple. Vous voyez ou pas? Oui. Je viendrai. Je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Ouais. Ça, c'est le futur simple. C'est quelque chose qui va se passer dans le fin de l'avenir. Voilà, ça, c'est le futur simple. Maintenant, moi, je vous demande de conjuguer le verbe pleuvoir. Au futur simple. Ouais. Il pleuvrait. Je pleuvrais. Il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait. Ça c'est l'imparfait. Ah bon. Ah, faut savoir que moi je suis très nul en français moi. Ah ouais. Je suis mieux en d'autres choses. Plus manuel moi. Tu sais quoi toi? Vous avez pas pris les meilleurs je pense. Ah ouais. Ah ouais c'est chaud. C'est chaud, je suis en train de réfléchir mais il y a rien qui. Les gens ils répondent bon souvent. À cette question? Ouais. Ah, je veux dire, on est trop nuls. On est trop cons, surtout. Ouais, surtout. On est trop cons. Ok, y'a pas de soucis. Pleuvoir? Oui. Bah, c'est pas possible. Il pleuvra, c'est tout. Toi, tu dis quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Non, il pleuvrait. Il pleuvrait. Il pleuvrait? Ouais. T'as su? Bah oui. T'as su? D'accord, dans ce cas, conjugue-moi le verbe pleuvoir au conditionnel présent. Conditionnel présent, c'est quoi ça? Il pleuvait? Ouais, je vais t'aider. Il pleuvait, c'est l'imparfait. Le conditionnel, c'est il pleuvrait. Donc, c'est quoi le futur? Il pleuvra. Il pleuvra. Ah, au futur simple? Au futur simple. Ah oui, il pleuvra. Il va pleuvoir? Non. Il va pleuvoir, c'est le futur proche. Je sais pas. Si, il pleuvra. Tu sais pas. Je suis nul en français. Ok. Tu as une attitude? Oui, mais tu peux dire il pleut. Mais c'est pas un verbe, tu peux pas le conjuguer. Oui. Alors, bon, je vais vous mettre sur la voie. Il y a des verbes mais si, qui ont une seule pleut. Conjugaison. Mais bien sûr que c'est mais un tu verbe. Peux pas dire je pleux. Ben justement, c'est comme neiger. Tu peux pas dire que je neige. Mais neiger, c'est un verbe. Il pleuvra, il pleuvra. Donc, ouais, mais je pleurais. Quel est le futur du verbe pleuvoir? Il pleuvra. Oui, il pleuvra. Oui, il pleuvra. Il va vous induire en erreur. Non, attends. Non, il pleuvra. C'est toi qui veux les induire en erreur. À quelle personne? Oh, ma mère. Bon, moi je dis il pleuvra. Ok, toi tu dis quoi du coup? Au futur? Oui. Bah, il pleuvra, ouais. Mais pour moi, ça. Enfin, je sais pas. Tu peux le conjuguer qu'à la. Enfin, qu'à une personne. Bah oui. Il y a des verbes comme ça. Comme neiger, il neige. Ouais, bah, tu peux le conjuguer qu'à la. Grêler, troisième personne, grêle. Quoi. Oui. Sauf que ça se conjugue à plusieurs temps. Au présent simple, au passé simple. Ah, mais t'as dit au passé composé. Simple. Non, mais j'ai du futur. Ouais, au futur. Bah, il pleuvra. Il pleuvra. Bah. Ok. Demain, il pleuvra, oui. Ouais, il pleuvra. Ouais, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment con. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression d'être con, là. Il va pleuvoir. Oui, tu as fait une phrase. Et dans la phrase, il y a va pleuvoir. Ça, c'est le futur proche. Oui, pour moi. Ok. Futur simple. Le futur simple. Du genre, quand tu dis, par exemple, manger au futur simple, c'est mangerai, vous voyez. Je mangerai, tu mangeras, il mangera. Il pleuvra. Ouais. Ouais. Du coup, c'est pleuvra. C'est quoi pour toi? Ouais, il pleuvra. Pleuvra, ouais. Il pleuvra. Ouais, pleuvra. Il pleuvra. D'accord.
C'est votre dernier mot. Ouais. Oui, c'est notre dernier mot. Je pleuvrai. Bah ouais, je pleuvrai. Tu pleuvras. Il pleuvra. Nous pleuvrons. Vous vous pleuvrez. Ils pleuvront. Ok. On a bon ou pas? Il va pleuvoir. Non. Mais non, c'est hyper proche. Con. Ça, c'est le futur proche. On dit pas je vais pleuvoir. C'est con. Bien ah sûr, non, mais c'est réel. Il y a des verbes à conjugaison unique. Tu peux pas dire comme neiger. Il pleuvra. Oui, il pleuvra. Oui, il va pleuvoir. Non. C'est le verbe. Bah ouais. Il pleuvra. Non, mais il va, c'est proche du coup. Non, mais vous, j'ai l'impression que vous avez fait l'armée. Vous les deux. Vous deux. Non, c'est ça. Non. Pourquoi? Parce que vous êtes canon. Maintenant, on peut répondre à la question, non? C'est les couilles. Le va pleuvoir au futur, c'est simple. Bah, il pleuvra. Il pleuvra. C'est ton dernier mot. Oui. Toi, tu as dit quoi? Il pleuvra, j'aurais dit. Mais il pleuvra. Ouais. Il pleuvra. Non, c'est bon, pleuvra, il pleuvra. Attends, tu suis la fille. Je suis, gros. On suit. Mais c'est toi qui peux suivre d'abord. Ouais, mais t'inquiète.